mwana ngai dalela bolo ata bolembo eyeminge mabanjo mangai simba yesu bobo sanate bobo toboye yonzo tona ngai dalela bolo tanga nyonso bobo toboye akota mbwisa ngai pene na mai ya kimia akobatela ngai na bambuna nyonso akota mbwisa ngai na bambonge makasi akotika ngai te na bolembu mingi il me rassure je l'aime bien il me rassure je l'aime bien il me rassure, je l'aime bien. Yanga motema, delika mabanjo sena yo, natika la kaka na yo, zambe na bomoy. Lisungi eko zanga kate, natango ya pasyo, moninga ya tango nyoso, zambe na bomoy. Yanga nyoso, natiki na maboko na yo, Mosusute na sena mo bobele yo akota mbwisa ngai pene na mai ya kimia akobatela ngai na banguna nyonso akotika ngai te na bolembu mingi akoshala na ngai bisika nyonso oh il me rassure je l'aime bien Il me rassure, je l'aime bien. Il me rassure, je l'aime bien. Oh, il me rassure, je l'aime bien. Yes, oh, il me rassure, je l'aime bien. Hey, il me rassure, je l'aime bien. Yes, oh, il me rassure, je l'aime bien. Oh, il me Je l'aime bien. Yes, oh, yo, il me rassure. Je l'aime bien. Levez-vous encore, nous allons lire Apocalypse 10. Botele malisusu tokotanga na emoniseli zomi. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel. Na mona ki moi je mosusu na nguya makasi kokita utalola. Le diable a échoué. Satan a quoi? Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Pe elongina ye lokola moi pe makolona ye lokola makonzi na moto. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Na loboko na ye mwa mukanda moke mosili kozipwa mapolele. Posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre.
Ataki lo kolona na mobali likolo na mai monene pe lo kolona na mwasi likolo na mokili. Et il cria d'une voix forte. Pe angangi na mongongo makasi. Comme rugit un lion. Lokola konguluma na kosi. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Wana inganga kiye kake sambo ilobi na mingongo na yango. Et quand les sept tonnerres firent entendre leur voix. Wana ilobi kake sambo. J'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: seul se conduit les sept tonnerres. Et ne l'écris pas. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je prêche sur la brèche. Nazali kote ya likolo na mwanzela ya kobimela. Je commence par le premier verset. Na bandi na molongo na liboso. Apocalypse 5, 1. Emoni se limita no molongo na liboso. Puis je vis dans la main droite celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Na loboko na mobali na mofandi na kiti na bokonzi na monaki mokanda mosiliko komama na kati pe na sima pe mosiliko kangama na bilembo sambo. Donc, ilingi koloba. Celui qui était assis sur le trône, ye oyo afandaki na kiti na bokonzi, avait un livre. Azalaki na buku moko dans sa main. Na loboko na ye. Et ce livre là pe buku yango contenait tout ce que nous devions connaître. Ezalaki kobomba mai maso oyo biso to sengelaki koyeba. Tout nyoso. Tout le mystère. Ma bomba minyoso. Même nos noms atape ba kombo na biso était là-dedans dans ce livre. Ezalaki na kati na buku yango. Donc nous devrions connaître ce qui se trouvait dans ce livre. Boye to sengeli toyeba oyo ezalaki kati na buku yango. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Pe na monaki moi je mosusu na nguya ko ganga na mongongo makasi. Qui est digne de d'ouvrir le livre. Nanyango abongi pona ko zipola buku. Et d'en rompre les sceaux. Pe ko kangola bilembo na yango. Personne dans le ciel. Motote ezala na lola. Ni sur la terre ni sous la terre. Ata na mokili to na se na mokili. Ne peut ouvrir le livre ni même le regarder. Azalaki na makoki te ya kotala ko fungola buku to pe kotala yango. Impossible. Moto azalaki te. Parce que ça demande un rédempteur. Pamba te ezali na bosenga ya mosikoli. Celui qui peut prendre le livre. Oyo akoki ko kamata buku. Pour notre rachat. Pona l'ici qu'on a biso. Il n'y avait personne. Moto azala kite. Et Jean a pleuré. Pe Yohane alelaki. Il a beaucoup pleuré. Alelaki mingi penza. De ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Na lolengete moto moko te amonanaki oya longo bani pona kotala kokamata buku. C'était le livre de la rédemption. Pour que nous puissions savoir si nos noms sont là.
Nous devrions normalement connaître. Si on peut encore rentrer et avoir les droits à la vie éternelle. Parce que notre père Adam a commis l'erreur. Il était au milieu du jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient la vie éternelle. C'est la vérité. C'est vrai. Adam et Ève régnaient sur la terre. En tant que des enfants de Dieu, ils avaient l'autorité sur les animaux, sur les oiseaux, sur les arbres, sur les montagnes, sur toute la nature que Dieu avait créée sur la terre. Et toute la nature obéissait à Adam. Et on le considérait comme Dieu. Parce qu'ils étaient des fils de Dieu. Et ils avaient ce pouvoir-là de Dieu sur eux. Quand il était devant un lion, il pouvait appeler les lions. Et les lions venaient. Les lions ne le dévoraient pas. Il pouvait être avec des crocodiles. Et toucher les crocodiles comme ça. Et le crocodile n'avait vraiment, il était là, il n'était pas féroce, dangereux. Il pouvait dire à la montagne, je veux que tu te déplaces et que tu ailles là-bas. Et la montagne se déplaçait. Et la montagne se déplaçait pour obéir à Adam ou à Ève. Ils étaient des dieux amateurs. Dieu régnait au ciel avec les anges. Eux régnaient sur la terre. Les enfants de Dieu. Ils avaient le pouvoir. Exactement comme Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu a fait ça. Il avait mis là où ils étaient dans le jardin d'Éden un arbre de la connaissance du bien et du mal. Moi, il y a un homme qui m'avait posé la question. Un athée. Bon, il vit en France. Ah, bikaka na France. Un petit à moi, comme on dit. Azaki, moi, na ngai moko. Il y a confiance. Il y a confiance. Ah, il m'a dit, je lui ai apporté la parole de Dieu. Il m'a dit, moi j'ai une question à te poser. Ngai, nazali na mutuna moko na tuna yo. J'ai dit pour tout. Na lui pour tout. Il était du Kasai. Yazaki moto a Kasai. Quelle question?
Quand il était avec moi, on marchait ensemble. À Bandal. Na Bandal. On mangeait ensemble. Tozalaki kolia elongo. Maintenant, il est en France. Siko ya komi na France. Il est venu se marier. À Bali. Et son mariage avait fait une fête, je crois, d'une semaine. Libala na ye na tembete salaki fête pendant pene ya poso mobile. Il avait beaucoup d'argent. Pambata zalaki na mosolo ebele. Je lui ai apporté Jésus. Na teye Yesu. J'ai dit Poutou. Naobi Poutou. 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 Tu vois moi ton vieux. Omoningai vient à yo. Tu as entendu parler, il dit, oh j'ai entendu à Paris. Oyoki Kolobalangai abina yoka. J'ai entendu à Paris. Na yoka na Paris. J'ai entendu. Na yoki. Tu as changé. Obongwani. J'ai dit bon, je veux que toi aussi tu acceptes Jésus. Ngai naobi malamu. Na sepeli bete yo ondime la Yesu. Oh, j'ai une question à te poser. Ah, nazala motuna mokona ola tuna yo. Pose-moi la question. Tuna nga motuna yango. Pourquoi il avait mis l'arbre de la connaissance du bien du mal dans le jardin? Pona nini ya tiaka nzete ya boyebi mabena malamu kuna na elanga na Eden. Batamayene. Les gens intelligents. C'est difficile de lui apporter la parole de Dieu. Ba si mingi pona kote ya bango liloba nzambe. Je n'avais pas de réponse. Nazalaka na eyanote. Il dit, toi, tu ferais ça, tu mets tes enfants là et tu mets un serpent pour les tromper. Et leur donner des lois. Tu es Dieu, tu savais qu'ils allaient tomber. Et je suis parti. Moyen de continuer au thé à Moutouaboué. Il n'y avait pas moyen de continuer à pêcher à cet homme-là. Il faut la foi. Et Seigneur, il dit manano. Dans tout ce que Dieu a dit. Na manson zambe à lobby. Pas le raisonnement. Comme ma banzo banzote. Il avait mis dans le jardin d'Eden. A tiaka na kat na langa na Eden. Un arbre. C'était moko. De la connaissance du bien et du mal. Ya boye bi malamu na mabe. Et Dieu leur dira, vous êtes libres. Ça, c'est Branham. Il leur a donné quoi? Hein? Le libre arbitre. Opponis-moi, tu as choisi une mauvaise femme. C'est toi qui l'as choisi. Yo mokonde moto pona ki. Motamwa yeba ode. C'est un choix. Ezali boponi. Choisir une bonne femme. Kopona mosi malamu. C'est un choix. Ezali boponi. Toi tu choisis un bandit. Yo oponi kuluna. C'est un choix. Ezala ngo kopona. Il leur avait donné depuis le jardin d'Eden quoi? Le libre arbitre. Ah, pensa ki bango uta na kati na ngana Eden et te baza la bo somi pona kopona. Et puis il leur dit ne mangez pas ça. Na si malobi na bango bolia yango te. Le fruit de cet arbre. Mbuma ya nzete wana. Si vous mangez cela, soki bino bole yango, vous allez mourir certainement. Boko kufa na tembe soki mokete. Ah. Mais avec le libre arbitre. Kasi na kozala somi pona kopona. La femme circulait. Moi si abandaki kozunguluka na kati. Tout autour de cette arbre. Zonga zonga na nzete yango. La Bible dit que la femme a vu que ce fruit était bon. Biblia lobete, moi si amonaki te mbuma na nzete wana ezalaki kitoko. C'était bien aussi pour ouvrir l'intelligence. Ezalaka pe kitoko pona kofungola mayele. Parce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah! Mais Adam qui était créé le premier n'a pas fait ça. L'arbre était toujours là. Mais Adam disait non. Dieu nous a interdit ça.
Oh bien-aimé. Oh balingami. Eve a mangé. Ewa aliaka. Le fruit de l'arbre défendu. Mbuma yanzete o epekisamaki. Et Eve l'amena vers Adam. Nasima ewa amemi mbuma yango epai na Adam. Eve a prêché Adam. Ewa atei Adam. C'est pour cela. Ndeti na yango. Dieu avait dit. Nzamba lobaki. Que la femme ne prêche pas. Et moi si atei atei. Oh! Ça va ouvrir ton intelligence. Oh, alléluia. Alléluia. Si tu manges ça, tu seras très intelligent. Oh, cause la mayele mingi. Adam convaincu à manger. Adama, aye kondimisama pe aller. Puis paf, pe nambala moko. Il constate qu'il est nu. Aye komi so sola ete azali motakala. Quoi? Oh Dieu vient. Oh nini. Oh nzamba zali koya. Chaque soir Dieu vient. Pourquoi nyoso nzamba yaka? C'est votre père. Aza tata na bino. Akimi. Ils ont fui. Bakimi. Adam. Adama. Où es-tu? Ozali wapi. Je me suis enfui. Nakimi. Donc, Elingi koloba. Tu ne veux pas me voir. Olingi na kokuta na ngaite. C'est la femme que tu m'as donnée. Moi si oyo pesi ngai. Qui m'a convaincu que c'était un bon fruit. Aya kondimisa ngate ezali mbuma moko kitoko. Yo moko saini sumu. Toi aussi tu as commis un péché. Laisse la femme tranquille. Tika moi si na okimia. Le salut est individuel. Lobi kozala kapona moto ye moko. Je suis nu. Nazali Bolumbu. Maintenant, tu cherchais la connaissance du bien et du mal. Siko, ozali ki koluka boyebi malamu na mabe. Maintenant, tu constates que tu es nu. Siko, oye comment na tozali Bolumbu. Et quand la parole de Dieu dit que vous allez mourir. La mort viendra. Et ils ont été chassés. De jardin d'Eden. Et la mort les a frappés. Pas seulement eux. Kaka bango pambate. Et leur descendance. Na bokitani na bango nyoso. La progéniture que nous sommes. Bana na bango nyoso biso tozali. Si nous mourons aujourd'hui. Soki lelo bo tozali kokufa. C'est à cause d'Eve. Ezali pona tina na ewa. Comment on appelle ça? Quand vous voyez le véhicule là passer. Corbia. Tango bomona kunda ebembe koleka. Frère Madame dit. Dis dans ton cœur, c'est Eve qui nous a créé ce problème. Et nous, leurs enfants, la mort est tombée sur nous. Eux, ils avaient la vie éternelle. Nous n'avons pas la vie éternelle. Et la mort a aussi frappé toute la nature. Aujourd'hui, les arbres meurent. Aujourd'hui, les bêtes meurent. Aujourd'hui, les oiseaux meurent. Mais avant, aucun poisson ne pouvait mourir. Tout ça à cause d'Adam. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, ça va arriver. Satan a dit,
Satan a lobi. Nini? Non. Te. Dieu nous a dit. Nzamba lobi na biso. Le jour où nous mangerons. Mokolo tokolia yango. Nous mourrons. Toko kufa. Oh. Oh. Il a ajouté quoi? Abakisaki nini? Pas. Te. N'ajoutez rien. Kobakisa eloko te. À ce que Frère Branham a prêché. Na oyonde kobana me atei. N'ajoutez rien à la parole de Dieu. Kobakisa eloko mokote na lilo balanzambe. Amen. Amen. Laissez ça comme ça. Tika yango kaka bongo. Là dedans il y a la vie. Quand vous ajoutez quelque chose, c'est la mort qui viendra. Et nous avions perdu toute cette autorité. Et on va appeler ça livre. Hein? Titre de titre propriété. De propriété. C'est parti. Beaucoup n'a pas ngoekei. Le diable voulait prendre ça. Satan a dit kamata yango. Mais c'est retourné vers le propriétaire. Kasi ezongi mbala moko pa na mokolo na yango. De la vie éternelle. Ya bomo ina seko. Du pouvoir que vous aviez reçu. Et bokozo bino bozwaki. C'est rentré à lui. Ezongi pa ina ye. Et tout ce que nous avions perdu était rentré vers son propriétaire originaire. Dieu. Nzambe. Et maintenant nous devons récupérer ce livre-là. Le livre de propriété. Le livre de la rédemption. Pour que nous puissions avoir encore des droits sur la nature, des droits sur toutes choses, dominer comme si on était Dieu, que nous ne puissions plus mourir. Mais il nous fallait un rédempteur. C'est ce qui a fait que Jean a beaucoup pleuré. Pourquoi? Parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre ni d'en rompre les sceaux. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne n'était digne. Adam. Adama. Mais c'est lui qui avait commis le premier péché. Celui qui est digne. Ye oya bongi. Doit être un être humain. Et Seigneur Zala Moto. Pas les anges. Bange était. Les anges n'ont pas péché. Bange basala lisumute. Ils adorent Dieu tous les jours. Bango ba gumba melakanzambe butumoi. Mais la loi dit que ça doit être un être humain. Mais un être humain qui n'a jamais commis un péché. Adam. Adama. Avait péché. Asalaka lisumu. Abraham. Abraham. Avait menti. Abukaka lokuta. Moïse. Mose. Lui aussi. Yepe lokola. Avait tué l'Égyptien. Abomaka mo. David. David. A pris la femme du Rinétien. Et il a envoyé Irinétien à la mort. Il n'était pas digne. Joseph a menti. Abuka ça vous le savez. Il a menti au pharaon. Abuka et pas na Jacob. Jacobo. Avait volé le droit d'aîné ses Aïbaka makoki ya bokulutu ya Esaou. Branham. Avait menti un jour. Mokolo moka il devait partir là-bas pour se repentir. Et c'est le gars qui a kenekuna pa na ko yambola. Baruti non plus. Baruti kutute. J'ai menti plusieurs fois. Na buka lokuta mbala mbala.
J'ai fait des péchés plusieurs fois. Je ne suis pas digne d'être votre rédempteur. Ouf! C'est alors que Dieu lui-même deviendra un être humain. Quel amour! Quel amour! Dieu Nzambe deviendra l'agneau qui se donnera en sacrifice à la croix de Golgotha. Il avait pris tous nos péchés et il a dit: Alphonsine Bazenga, tu ne mourras pas. Okokufate. Je prends tous tes péchés. Nakamati masumu na onyoso. Kasende. Tu seras au ciel. Okokota lola. Donc il est devenu un homme. Akomi moto. Un ange ne peut jamais devenir un homme. Mwanje akokomaka mokolo moko te moto. Il n'est pas le créateur. Azali mokelite. Aucun homme ne pouvait devenir notre parent rédempteur. Et Jean pleurait. Il a beaucoup pleuré. Un de vieux a dit: Jean ne pleure plus. Amen. Amen. Parce que lui, en tant que créateur, il s'est créé un corps. Vous le savez? Amen. C'est dans Hébreu 7, je crois. Il s'est créé un corps. Il est né comme un homme. Il était 100% homme et 100% Dieu. Donc, Dieu est devenu votre frère. Comment ne pas se réjouir? Dieu qui devient votre frère. Oh, on pouvait tout espérer. Vous pouvez appeler Jésus grand frère. Parce qu'il est devenu homme pour sauver les hommes, pour devenir leur frère. Ah Seigneur. Ah Nkolo. Vous aimez le Seigneur Jésus? Bolingaka Nkolo Yesu. C'est Hébreu 10, hein? 10:5. Bayebele zomi nzela mitano. Hein? C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Et il est né en pleurant. Dieu Nzambe pleurait comme un enfant. Dieu Nzambe mangeant comme un être humain. Il tombait malade aussi. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice. Alors je dis, voici. Tala. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Père, oh Père, pour faire au Dieu ta volonté. Oh Tata, ezali pote na sala mokano na yo.
Je mettrai mes lois dans leur cœur. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Romains 3, 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Donc, quand on cherchait le parent rédempteur, personne. Personne sur la terre. Sous la terre. Personne. Oh, moi, non. Aimez tout le monde. Tu as reçu la vie éternelle par grâce. Cela ne vient pas de toi. Ça vient de Jésus-Christ. Afin que personne ne se glorifie. C'est vrai? Jésus. Ah, Yesu. J'ai pleuré beaucoup. Na lela ki mingi. Ça, c'est Jean. Wana Yohan. De ce que personne ne peut trouver, ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. A vaincu. Alongi. Pour ouvrir le livre. Et c'est cette sceau. C'est vrai? Solo. Nous prochons sur les sept sceaux. C'est parce que le lion de la tribu de Juda était devenu un agneau. Moi, n'en ai pas. Et à Golgotha, il a porté tous nos péchés. Il dit, Père, tata, ne le tue pas. Kobomabangote. Pardonne. Limbisa. Pardonne. Limbisa. Moi, je meurs à leur place. Mais quand il reviendra, il ne sera plus l'agneau, il sera le lion. Tu dois te repentir aujourd'hui. Amen. Amen. Nous devons croire en Jésus. Nous devons accepter le travail qu'il a fait à Golgotha. C'est ça notre salut. Et quand il a fait le travail, il est allé au ciel. Vous le savez, je crois. Et là, il intercède pour chacun. Chacune des personnes pour lesquelles Jésus était mort. Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Non! Il est mort pour ses enfants, lui. Il dit, toi, pourquoi tu traînes? J'étais mort pour toi. Rentre dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est la prédestination. Vous croyez à cela? Et maintenant, il doit revenir. 2000 ans après.
au temps de la fin. Selon Apocalypse 10. Apocalypse 10. Tous les mystères écrit dans la Bible devrait être révélé. Pour qui? Pour ses enfants. Ça vous fait du bien. J'ai vu un autre ange puissant qui descendit du ciel. Enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était un arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Tenait dans sa main quoi? Un petit livre fermé. Ouvert. Quand le livre est ouvert, ça doit être lu. Parce que c'est ouvert. Je crois que vous me comprenez. Mais il dit, quand il cria d'une voix forte, rugit comme un lion, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres, il fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'attendis du ciel une voix qui disait sept, c'est comme dit, les sept tonnerres. Mais, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Au jour du septième messager, William Branham, quand il commencera à prêcher, tous les secrets de la Bible seront dévoilés. Donc c'était fermé, scellé, jusqu'au temps de la fin. C'est la même chose avec Daniel 12. Le verset 4 dit, toi Daniel, tiens secret ces paroles. Yo Daniel, bomba sekele maloba oyo. Scelle le livre jusque quand? Au temps de la fin. Est-ce que nous sommes au temps de la fin? On ne peut plus sceller la vérité. Amen. Amen. Ça vous fait du bien. Hein? Au temps de la fin, Dieu va envoyer le messager qui va ouvrir toute la Bible. C'est ça les sept tonnerres. Les sept tonnerres, ce sont les voix qui ouvrent toute la Bible. Toi, Daniel, tiens le secret. Yo Daniel, bomba makambo. Ces paroles. Maloba oyo. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Pe kanga buku kino na tango na suka. Plusieurs alors feront quoi? Ebele na bongo bakosala nini? Bakotanga yango. Liron cela. Donc ce secret là. Basekele wana. Quand les tonnerres vont parler. Tango kake ikonguluma. Ces secrets seront écrits dans des brochures. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Au verset 9, il dit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps là-bas, Kuna, ils disent, nous allons lire alors, les brochures
Au verset 10, il dit, na molonga na zomi alobi, le message est là du temps de la fin. Sango wana ya tango na suka, va nous purifier. Eko peto la biso. Oh, je suis dans le message. Onga na zali kati na sango. Basi otikate. Et tu ne laisses pas. Tu n'es pas dans le message. O zali na yo kati na sango te otika basi. Plusieurs seront purifiés. Ebele bako peto la ma. Blanchis. Bako ye isama pembe. Le message sango nous nettoie. Ezali ko peto la biso. Nettoie notre vie. Ezali ko peto la bomo ina biso. Plusieurs seront blanchis. Et ceux qui ont raté. Ce n'est pas fini. Et épuré. Le message est comme un feu. Qui va épurer. Les gens prédestinés à aller au ciel. Amen. Amen. Les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ceux qui auront de la sagesse comprendront. Frère, Bandeko, le septonnerre contient la force de révéler tout les mystères qui sont dans la Bible. Je vais lire le prophète. Il dit ceci. Ce livre, le paragraphe 29. Ce livre scellé de sept sceaux est révélé au temps des sept tonnerres d'Apocalypse 10. Dis là, si vous prenez des notes, prenez. Amen. Amen. Et il dit, et ceci se passe au temps de la fin. Amen. Amen. Ah, ça me fait du bien. Paragraphe 31. Vous vous souvenez de cet ange? Dans Apocalypse chapitre 1. Le même ange. Un ange, ça veut dire un messager. Il est le messager pour Israël. Maintenant il va changer ça. Non. L'église a été enlevée. Il change ça. L'église est sur le point d'être enlevée. Il vient chercher son église. Et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Donc, il a déjà pris cela. Il quitte le trône. Il descend. Amen. Amen. Ça vous fait du bien? Paragraphe 32. Or ici, il était fermé. Mais ici, il est ouvert. Un petit livre dans sa main. Il est ouvert. Amen. Amen. Quand il cria, Tango a gangaki, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Ah, frère, madame, parle-nous. Hein. Or, Jean avait été chargé d'écrire ce qu'il voyait. Il était chargé. C'est pourquoi l'apôtre et prophète a pris sa plume pour écrire. Mais, Kasi, est-ce qu'il avait écrit? Bon, il y a Komaka? Non. T'es. Non.
J'attendais le temps de la fin. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, levant ses mains vers le ciel. Frère Baram dit, écoutez bien là. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles. Est-ce que Dieu peut jurer comme ça et la chose n'arrive pas? Amen. Ça doit. Mais qu'au jour de la voix du septième ange. Kasi na mikolo ya mongongo ya mwanje na sambo. Mikolo yo, William Branham, septième messager, akobanda koteya. Le jour où le septième messager William Branham commencera à prêcher. Mais au jour de la voix du septième ange. Mikolo ya mongongo ya mwanje na sambo. Sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Je veux dire, le mystère de Dieu va se terminer. Comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Bon. Vous voyez le mystère de ce livre, la Bible. Scellé de sept sceaux. Sera révélé quand le message du septième ange de l'église sera proclamé. Donc, même les anges qui nous ont suivis là, ils étaient incapables de révéler le septième. C'est la vérité? Les alli solo. Le septième ange commence à sonner de la trompette. Moi, je n'ai pas de abandi koyu la kelelo. Vous avez la brochure? Vous allez la brochure en haut. Voilà. Tala. Quoi? Nini. Les messages. Sango. Qui ont été mis par écrit là. Oyo et komama ki kuna. Et nous les avons. Peto zali na yango. Des bandes. Et sous forme de brochures. Tozali nango lelo yobwe na ba bande pe na ba mikanda. Donc, quand le message commencera à être proclamé, tango sango kobanda kosakolama, le mystère s'accomplirait. Libomba mie kokokisama. Est-ce que c'est clair? Ezali polele. Donc, il fallait bongo esengela ki penza le messager. Motindami, son message sangonaye pour ouvrir toute la Bible. Bon, à cause du pour la Bible, il y a Mobimba. Oh, les sept tonnerres ne sont pas révélés. Oh, ce sont les sept tonnerres qui révèlent les sept sceaux. Et les alli de kake sambonde, les alli cause du pour la bilembo sambo. Est-ce que c'est la vérité? Les alli solo, yo. Ce sont les sept tonnerres qui révèlent toute la Bible. Ce sont des voix qui ont été écrites avant la fondation du monde. Même si vous ne voyez pas ça, mais c'est écrit que le serpent était nyoka. Était comme un être humain. Azalaka lokola moto. Pe azalaki mpo bosoni. Et il avait commis Eve. Adultère avec Eve. Si les gens ne croient pas, so ki bato bazali kondimate. Mais ils ne sont pas prédestinés à aller au ciel. Bango ba bongisama na bango liboso te pona ko kende lola. C'est le travail du septième messager. Ezali nde mosala ya motinda mi ya sambo. Qui n'est plus de secret dans la Bible. Si vous comprenez, dites amen. Amen. Et tout est écrit sous forme de brochures et de bandes. Ce n'est pas clair? Alors, Nabongo. Je ne sais pas. Naïbité.
Comment cet ange est sorti avec les livres ouverts et descendu? Ndengeni moi je wana akitaki na buku ya kosi pola mapolele. Et il a donné au messager. Pe apesi yango pa na motinda mi. William Branham. William Branham. Et lui dit prêche ça. Pe alobi na teya yango. Et puis lui il s'est retourné. Pe ye abaluki na ye. Akei. Il est rentré là. À matina yekuna. Pour continuer à faire l'intercession. Bon ako koba mosala na ye ya molobeli. Il est maintenant sur le trône. Les lois ali sikobo na likolo afandi na ngwende. Ah mes frères Baruti, mais tu nous as pas montré ça. Ah ndeko Baruti. Oh lobi wala kisibiso ngote hein. Je vais vous montrer clairement. Na lingina tal sabino ngo polele. Il dit ceci. Ah lobi boy. Paragraphe 40. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en train d'inventer les choses. C'est ainsi dit le Seigneur. Je vais vous le lire dans le livre. Quand le message du septième ange serait proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. Amen. À la proclamation du septième âge de l'Église. Toutes les choses restaient en suspens, veut dire restaient mystères. Qu'on avait sondé au cours de ces âges. De l'Église. Il y a l'Église. Seront réglés ensemble. Cela signifie seront révélés ensemble. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Tikabiso. Laissez-nous. Totea. Prêcher. Il dit ceci. Alors, Biboui. Oh. Nzoka. Paragraphe 45. La prêche. Tous les mystères. Ce serait le moment où il s'accomplirait. À la proclamation de ce message. De ce messager. Donc ici, il y a l'ange. Moi j'ai Azali. Qui est sur la terre. C'est qui? C'est qui? C'est Branham. Et un autre ange. Moi j'ai mon soussou. Un messager puissant. Descend. Azali Kokita. Oh. Vous voyez? Vous voyez? Cet ange ici. Moi j'ai Oyo. Était un ange terrestre. Azalaki mwanje o ya mokili. Quand l'ange là, puissant descend, tango mwanje la nguya azali kokita, il y a un ange terrestre. Mwanje ya mokili azali. Un messager terrestre. Motinda mi o ya se. Mais en voici. Kasi bota. Hein? Moko. Qui descend du ciel. Azali kokita longwa na likolo. Avec un arc-en-ciel. Na monama. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est le paragraphe 45. Celui qui est au ciel descend avec un livre pour donner au messager terrestre. Et lui donne un livre ouvert pour que toute la Bible soit révélé. Et après, l'ange puissant retourne au ciel. Dieu a réellement aimé notre âge. Il est rentré au ciel pour continuer l'intercession. Oh, Jésus est déjà venu. Oh, Yesu asa aye. Non. Terre. Non. Nous l'attendons. Tozali kozela ye.
Et Dieu t'attend. Il connaît nos noms. Il attend que le dernier élu croit à ce message. Le jour où tu croiras à ce message, l'ange puissant qui est au ciel, son nom est Jésus-Christ, il descendra. Mais il t'attend. Les morts en Christ vont ressusciter. Pourquoi? Parce que ceux qui croient au message doivent manifester Dieu. Ils doivent devenir les fils de Dieu manifestés. Quelqu'un meurt, tu pries et il ressuscite. Et quand la pluie va tomber, tu pries et s'il y. C'est vrai? Tout ce que vous demandez en priant, vous qui croyez à ce message, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Vous êtes des petits dieux sur la terre. Pourquoi? Le message vit en vous. Et Dieu marche en vous. Dieu parle. Dieu parle à travers vous. Dieu marche à travers vous. Quand vous marchez, c'est Jésus qui marche. Quand vous parlez, c'est Jésus qui parle. Vous êtes la parole de Dieu rendue manifeste. C'est ce que les morts à Christ attendent. La manifestation de fils et de filles de Dieu. Alors ils vont revenir à la vie. Et pendant 30 jours ou 40, on va être avec eux. Et après, nous monterons pour le rencontrer dans les airs. Pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Je veux dire quelque chose comme ça. Et je termine. Qui est digne? Nani abongi? Qui est digne? Nani abongi? C'est Jésus. Ezali Yesu. Il est digne. Abongi. Il descendra. Akokita. Avec ce livre. Na mokanda oyo. Nos noms sont là-dedans. Bakombo na biso ezali na kati kuna. Et dans peu de temps, pena mo tango moke, nous irons au paradis. Toko kende na paradiso. Nous mangerons avec lui. Toko lia elongo na ye. Si vous croyez, dites amen. Amen. Il va nous appeler. A Kobenga Biso. Et nous partirons. Et Toko Kende. Moi, je ne vais pas être ici, moi, je vais partir. Ngaina, c'est pas l'itéra Zalawa, na lingina Kende. Paragraphe 255. Mais voilà maintenant qu'il vient à ce dernier saut, je dirais à ce dernier rage. Alors il ne sera plus médiateur. Maintenant il est roi. Non, quand il descend, roi des rois.
Qu'est-ce qu'il fait? S'il est roi, il doit avoir ses sujets à lui. Ses sujets sont ceux qui ont été rachetés. Il va se présenter devant lui. Avant qu'il ait pris possession des droits de la rédemption. Donc, vous, qui avez cru au message de Frère Branham, vous avez pris le droit de possession. Vous savez, un jour, Frère Branham avait dit à un frère, vous, yo, dès que vous êtes là, vous êtes un petit Dieu. Le frère a dit comment? Vous pouvez tout faire. La nature doit vous obéir. Il a dit, oh, comment? Il dit, tu vois cette arbre ici? Cette lumière. Tu es capable de bouger ça. Le frère a dit, bouger ça comment? Comme tu veux. Moi je vais te montrer. Frère Branham a regardé cette lumière. Il dit, lumière, je veux que tu regardes là-bas et tu reviennes ici. Tu qui a déjà lu ça? Et la lumière a obéi. La lumière est allée là-bas. La lumière est revenue. La lumière est partie. C'était un fils de Dieu adopté. Alors le frère l'a dit, tu peux faire que ça tourne comme ça. Il dit oui. La lumière était là, pendue. Il dit lumière. Je veux que tu tournes comme ça. Et ça a commencé à tourner. Mais alors moi j'avais dit je ne prêcherai jamais ça. Mais aujourd'hui je prêche ça. Ce que vous voulez faire, vous qui croyez à ce message, arrivera. Si quelqu'un vous embête, vous dites Seigneur, je ne veux pas de cet homme ici. Demain, on lui dira, bon, c'est fini. Tu es viré. Il y a un frère qui me l'a dit aujourd'hui. C'est lui que j'avais reçu au bureau. C'est la banque. Azali à banque. Et il y avait quelqu'un à la banque là-bas qui le tourmentait, qui l'embêtait. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas virer cet homme. Deux jours après. L'économie va aller à Sima, Balongoli. Balongoli me cause. On a enlevé, on a viré les chefs. Un frère est venu me voir passer Baruti. Il m'embête tellement. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux? Et je veux que tu le vires de là. Dit, Seigneur, l'ongola mutuwa na musa. Et j'ai dit, Seigneur, vire cet homme. À l'ongwate. Il n'était pas viré. Bazoande chef Nabi et mon frère Nabi Sondé a comme chef de la place. Qu'on puisse prendre notre frère, que lui puisse devenir chef là-bas. Bien aimé, bâti chef était. Balingami. On n'a pas placé le chef là-bas. Et j'avais eu peur de donner des témoignages. Et j'avais peur. Parce que j'avais cité mes noms ici. Bon, comment on a comme continué la mission? Et vous verrez, il va commencer à envoyer des puces ici. Bati yé na ba journaux. Et on l'a publié dans des journaux. Balongoli yé. On l'a viré. Balongoli yé. Oh, on l'a viré. Hein? Ayesu est pas là. Et il est venu chez moi. Parce que Baruti, il va le mourir. Oh, parce que Baruti, on veut me virer. On parle que de moi dans. Et dans les journaux, c'est seulement mon nom. Dans les journaux. Balongolangai. On veut m'enlever de là. Je lui ai posé la question. Toi, qu'est-ce que tu veux? Nalingina l'ongwate. Et je vais y rester. Allongwe? Il est parti. Mutu bazako pousa pousa wana. Et celui qu'on avait toujours soutenu là-bas. Bati était. On l'a pas placé. Même ngai moko. Et même moi ici. Nakamwe. Je me suis étonné.
La puissance qui se trouve en moi se trouve en vous. Koina motote. Ne haïssez personne. Non. Mais si quelqu'un commence à te déranger. Bon. Qu'il quitte un peu ici. Allongwe. Et il part. Nabi yo yo lingini. Je lui dis, qu'est-ce que toi tu veux? Naïna dans la chef, na place à boy boy boy. Je vais être chef dans telle place. Aïe Psinga Mikolo, Yende bati chef. Et ce dernier jour, il m'a dit. Il est placé là comme chef. Nathan a comboté. Je ne vais pas citer de nom. A commis un grand chef. Il est devenu un grand chef là-bas. Les sons ont été dévoilés. Bilembo et Fungwamaki. Dieu nous a remis l'autorité qu'Adam et Ève avaient. Amen. Amen. Vous allez vous réjouir. Boko sepela. Oh, bandoki, bandoki. Oh, les sorciers. Oubliez. Bosana makamboana. Celui qui est en vous. Oh, yazali katinayo. Et plus grand que les sorciers. Azali makasi koleka bandoki. Il est plus grand que les sorciers. Le sorcier. Oh, Bandoki. En tout cas, je dois m'arrêter. Sans le président de la Singali Natik. Et si vous aimez le Seigneur Jésus. Bino Bolingaka Kolo Yesu. Qui est digne? Nanya Bongi. C'est Jésus. Ezali Yesu. Il reviendra. À Kozonga. Et les morts en Christ vont ressusciter. Je vous avais promis ça. Vous me suivez? Paragraphe 256. Et même les vivants qui seront restés jusqu'à sa venue. Ne devanceront pas ceux qui sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera. Et à cette dernière trompette, quand le dernier son sera brisé, et que le septième ange donne son message, la dernière trompette sonnera, et les morts à Christ ressusciteront. Et nous les vivons, qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus nous réclame. Vous êtes prédestinés. Jésus veut te voir au ciel. Amen. Amen. Crois totalement au message. Un jour, tu vas me remercier. Tu vas remercier le prophète William Branham. Ozoa. Ozanga. Que tu aies ou pas. Mais ne manque pas le ciel. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il se fait tard. On doit se séparer. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis.